2019 et la société des automobiles André Citroën a 100 ans. Je souhaite beaucoup de succès au grand rassemblement organisé à la Ferté-Vidame pour fêter cet anniversaire. En tant que petite fille de Georges-Marie Hart, je me réjouis toujours de l'intérêt que suscite la grande épopée des croisières Citroën. Pour l'association des amis de Pierre Teilhard de Chardin, je parlerai aujourd'hui de la croisière jaune et souhaiterais évoquer la phrase de Jacqueline Citroën, fille d'André Citroën. Les collaborateurs dont mon père avait su s'entourer formaient une élite sans laquelle cette extraordinaire entreprise n'aurait pu réussir. Deux courageux, Hart et Audouin Dubreuil, et puis ces mécaniciens. Et on engageait des gens qui étaient des topographes, des cinéastes, des peintres, le grand Yakovlev, le grand Teilhard de Chardin, Joseph Aquin, vous aviez Monsieur Raymond du Muséum d'Histoire Naturelle, des équipes pareilles, des aventures pareilles. Il fallait des gens qui étaient courageux, qui avaient une certaine culture. C'était des missions scientifiques et culturelles, ce que l'on a très longtemps oublié. Pour entreprendre des équipes pareilles, des aventures pareilles. Et pour préparer déjà cette mission, il fallait une équipe de mécaniciens remarquables. Alors la particularité aussi de ces gens-là, ils avaient tous fait la guerre de 14. Alors vous savez, le désert de Gobi, ça ne leur faisait pas peur, mais alors du tout. Je commencerai à évoquer mon grand-père, Georges-Marie Hart, qui est né le 12 juillet 1884 à Naples, de parents d'origine belge. Directeur général des usines Citroën à partir de 1905, il est très ami d'André Citroën, dont il modère les ardeurs par son calme et son bon sens. Et tous deux se complètent et s'entendent fort bien. Nommé chef des trois expéditions Citroën, d'abord à travers le Sahara, puis l'Afrique, la croisière noire en 1924, et enfin l'Asie, la croisière jaune en 1931, il inscrit sa devise sur le flanc de ses voitures de commandement, res non verba, des actes, non des paroles. C'est à l'issue d'une grippe contractée lors de cette dernière expédition sur le chemin du retour qu'il meurt à Hong Kong le 16 mars 1932. André Citroën envoie alors ce télégramme aux hommes de l'expédition après avoir appris le décès de son ami. L'homme est mort, mais l'œuvre reste. Ramenez en France le corps de votre chef, je pleure avec vous. Quelles étaient les particularités de Georges-Marie Hart? Physiquement, il est très grand et a beaucoup d'allure. Maigre à l'extrême, il a pu diriger la croisière noire sans encombre, mais quelques années plus tard, en 1931, son médecin lui déconseille fortement pour des raisons de santé d'affronter un périple aussi éprouvant que la croisière jaune. Le médecin avait sans doute raison, puisque cette croisière jaune lui sera fatale. La Chine a été une grande épreuve, beaucoup plus que l'Himalaya. L'Himalaya, c'était un temps, mais la Chine a été très long, la Chine. Parce que l'Himalaya, il y avait la force physique, il y avait la dépense physique qui était énorme. C'était très étroit. Donc ils préparaient à la dynamite même. Ils ont dû même à un moment donné démonter les voitures pour passer une faille de tremblement de terre. C'était un merveilleux voyage. Mais la Chine a été une épreuve épouvantable. C'était une Chine depuis 1911, depuis l'annonce de la République, en guerre civile. Il y avait Sun Yat-sen, il y avait Mao Tse-tung qui s'annonçait de l'autre côté, il y avait les révolutions au Xinjiang. Ils ont tout de même été obligés à un moment donné de sortir les mitraillettes. Et il y a eu l'hiver de Chine. Et là, ça a été du moins 30. Les mécaniciens posaient leurs mains, la peau s'arrachait de leurs doigts. On prenait la soupe 30 secondes pour boire la soupe avant qu'elle ne gèle. Des nuits affreuses. Alors là, ça a été une épreuve vraiment très très dur. Maintenir aussi l'harmonie dans le groupe, et c'était pas facile, il y avait aussi des clashs. Les hommes qu'ils guidaient étaient d'une sacrée trempe. Rien ne leur faisait peur. C'était un rêve pour les participants de suivre ces croisières. Le père Teilhard de Chardin, membre de la croisière jaune, qui a marié mes parents
Claude Hart et Christine Dresch, a écrit dans leur discours de mariage cette jolie phrase. Pour ceux qui ont eu l'honneur d'y participer, ces croisières étaient une sorte de marche à l'étoile. Tous les membres de l'expédition étaient portés par cette cause magnifique, exaltante, de tracer une route ou en Afrique ou en Asie et de faire connaître ces civilisations extraordinaires et de devenir acteurs des échanges culturels entre l'Orient et l'Occident. Dans ces croisières, Citroën, il y a une quête, un idéal qui, avant l'heure, est précurseur de la Convention du patrimoine mondial établie en 1972 par l'UNESCO. Particulièrement pour la croisière jaune, les explorateurs traversent les plus beaux endroits du monde, Bagdad, Palmyre, Srinagar, la vallée de Bamiyan, Herat, Kaboul. Ils deviennent des citoyens du monde qui, à leur retour en Europe, se portent garants de ces merveilles de l'humanité. Et ils transmettront à leurs enfants ce savoir, cette passion pour ce patrimoine culturel ou naturel qu'il faut protéger. Ces croisières sont la grande aventure de la vie des participants. Quand j'étais enfant, je me souviens d'André Cessillon, le mécanicien de mon grand-père, me répéter inlassablement la scène épique où il est resté dans l'auto-chenille, suspendu au-dessus d'un précipice dans l'Himalaya pendant la croisière jaune. William Civelle, le plus jeune membre de la croisière jaune, a à peine 20 ans quand il part pour cette expédition. Plus tard, il deviendra un grand opérateur son dans le cinéma français et enfant. Lorsque j'étais enfant, il me disait « Tu sais Caroline, j'ai tourné avec les plus belles femmes du monde, Brigitte Bardot, Romy Schneider, j'ai travaillé avec les plus grands acteurs, Louis de Funès, Bourville, mais la plus belle aventure de ma vie, c'est la croisière jaune. » Alexandre Yakovlev était un artiste voyageur. Ce peintre est surtout connu pour avoir participé à ses croisières Citroën, la noire et la jaune, et son œuvre devient un témoignage ethnologique et culturel sur ce début du XXe siècle. Russe d'origine, il a connu des bouleversements politiques qui ont changé la face du monde. À Pékin, en 1918, il est témoin de la Chine ancienne et travaille sur le théâtre chinois. Il a donc été choisi en 1924 pour la croisière noire parce que c'était un peintre voyageur qui avait déjà énormément d'expérience. Yakovlev a toujours été attiré par l'Asie millénaire, ce qu'il appelait le Grand Est. Il faut vous imaginer ce que représentait en 1931 l'Asie pour les Européens. L'Asie centrale, en revanche, demeure impénétrable dans les années 30 pour les Occidentaux. Depuis le voyage de Marco Polo au XIIIe siècle, l'exploration de l'Asie est restée en sommeil pendant 700 ans. Mais la croisière jaune est un défi démesuré et passionnant car le but de cette expédition n'est pas simplement un exploit humain et technique, mais également d'ouvrir une route aux échanges culturels entre l'Orient et l'Occident. Alexandre Yakovlev a eu de multiples fonctions pendant la croisière jaune. Par exemple, quand les membres de l'expédition sont prisonniers à Ürümqi du maréchal King, et donc il a eu une fonction diplomatique, il écrit dans ses notes « Je ne suis plus un peintre, mais une boîte à cadeaux ». Il accélère la délivrance du passeport collectif donné à Georges Marie Hart pour permettre à l'expédition de reprendre son chemin vers Pékin. Dans d'autres lieux de la croisière jaune, il a eu également un rôle archéologique, puisqu'il a considérablement aidé l'archéologue Joseph Akin. Par exemple, dans la vallée de Bamiyan, où Joseph Akin avait un cabinet de travail, va effectuer des relevés archéologiques, tandis que Yakovlev, insensible au vertige, va avec lui monter sur la tête du grand Bouddha, haut de 53 mètres, et copier, donc la tête renversée, les fresques gréco-bouddhiques des voûtes. Dans le désert de Gobi, toujours avec Joseph Akin, il reproduit par des températures glaciales de moins 10 degrés, les fresques murales des cités gréco-bouddhiques envahies par les sables du royaume de Turfan. Ce n'est qu'une fois arrivé à l'étape, quand il dispose d'un peu plus de temps, qu'il saisit sa boîte de pastels et de pinceaux et parvient de manière plus précise à transcrire ses impressions. Au retour de l'expédition en 1932, Alexandre Yakovlev s'enfermera dans son atelier parisien de l'avenue Junot à Montmartre, pour exécuter des œuvres de grand format, souvent des paysages,
d'après la documentation qu'il a recueillie et d'après les esquisses qu'il a réalisées. Dans les pays musulmans, la tradition interdit la reproduction des traits humains, a fortiori les portraits de femmes. Aussi, à la différence des œuvres de la Croisière noire, peu de femmes figurent dans les collections de la Croisière jaune. La Croisière jaune quitte la plage de Bir Hassem à Beyrouth le 4 mars 1931, traverse Palmyre, Bagdad, Kermanshah et s'arrête à Téhéran où la Croisière jaune est accueillie le 28 avril par une foule enthousiaste. L'animation est à son comble lorsque démarre la traditionnelle fête des fêtes. André Sauvage filme sur la place des Canons un chameau immolé et filme les gymnastes persans que dessine et peint Alexandre Yakovlev. Quand il pénètre en Afghanistan, les explorateurs pénètrent avec une certaine appréhension en terre afghane. Et au premier poste afghan, les guerriers braquent déjà leurs fusils sur les voitures. Les Afghans sont toujours armés, mais pourtant, leur hospitalité légendaire ne sera pas désavouée au cours de cet état. Bientôt, surgissent les puissants remparts de la citadelle d'Herat, qui arrêtèrent Alexandre le Grand dans sa marche vers l'Inde. C'est une ville fortifiée. Il y a un bazar sensationnel, une vie grouillante. Il fallait voir cela. Le bazar, c'est... Ah, le bazar, c'est le souk. Le souk est africain, le bazar est asiatique. Le dessin d'Alexandre Yakovlev au pastel, qui représente un magnifique turcoman avec son bonnet d'astrakhan. Toujours en Afghanistan, l'expédition va atteindre Mokour. Cette fois, en l'honneur de la mission, les danseurs guerriers exécutent leur danse traditionnelle. Alexandre Yakovlev, qui a toujours été passionné par la danse, est évidemment très heureux de réaliser ces croquis très dynamiques de cette danse guerrière afghane à Mokour. Enfin, à Kaboul, où il pénètre le 9 juin, le roi Nadir Shah accueille de manière inoubliable l'expédition dans la cité ancienne de Kaboul. Vous voyez un portrait de Sherzéa, le jeune fils d'un chef afghan, qui a été réalisé par Alexandre Yakovlev. Alors, cette photo exceptionnelle du cabinet de travail de l'expédition montre que l'archéologue Joseph Akin, qui a emmené les explorateurs découvrir la vallée de Bamiyan, avait son cabinet de travail à ciel ouvert surplombant cette vallée. En août 2031, la Croisière jaune va pénétrer le coupe-gorge le plus inaccessible de l'Himalaya, qui est la vallée du Kanjout, où la rivière du Hunza prend sa source. Cette région est dissimulée par une muraille montagneuse et est considérée comme très dangereuse. Georges-Marie Hart et ses 12 compagnons l'empruntent à la file indienne jusqu'au spectaculaire royaume de Hunza qui domine le cirque des montagnes. Le 8 août, de sa forteresse de Baltite, perchée sur un nid d'aigle, le mire de Hunza à l'épaisse moustache les accueille en souriant. Il est enchanté de vendre à prix fort les services de 140 porteurs et la location de dizaines de montures qui vont permettre à l'expédition d'atteindre Mishgar. Le monarque offre du whisky à ses hôtes et appelle cavaliers et danseurs. Les traditions Hunza sont très inattendues. À la brutalité d'un bouskashi, qui ressemble à un jeu de polo, où les vaincus meurent parfois, succèdent de curieux danseurs. Yakovlev assiste dans ce cirque montagneux d'une beauté vertigineuse à un jeu de polo qui est appelé là-bas un bouskashi. Alexandre Yakovlev et son groupe pénètrent en Asie centrale par le village de Kochbel. Ce sont les premiers nomades que rencontrent les explorateurs et qui sont des Kirghizes vêtus et bottés de peau de mouton. Le sourire des femmes étonne les explorateurs qui, depuis Beyrouth, n'ont pas vu une musulmane au visage découvert. Et sur cette œuvre exécutée à son retour à Paris, puisqu'elle est de grande taille, Yakovlev montre aussi bien les yourtes dans lesquelles vivent les nomades kirghizes que
les cavaliers avec les yaks permettent aux Kirghizes aussi bien de parcourir les champs, de leur donner du lait et de leur permettre de se nourrir. À Urumqi, au cœur du Xinjiang chinois, est aussi prisonnière la princesse mongole de la dynastie Paltan, la princesse Nirgirma de Torut. Cette femme très particulière, parlant couramment le français, l'anglais et le russe, est une jeune femme qui a déjà couru les magasins de la rue de la Paix et qui a assisté au cours de la Sorbonne lors de ses séjours parisiens. À Urumqi, elle fait partie de la colonie internationale qui est retenue prisonnière par le maréchal King. Partageant le quotidien de l'expédition, elle devient amoureuse du beau Victor Point, chef du groupe Chine, qu'on surnommait l'archange, et rêve de partir avec lui à Pékin. À Urumqi, inquiet du retard de 2 mois pris par l'expédition, Georges-Marie Hart, le chef de la croisière jaune, prépare sa campagne d'hiver. Pour affronter le froid redoutable du désert de Gobi, il demande aux marchands de fourrures d'Urumqi de confectionner des peaux de mouton huilées de graisse de suin et des bonnets d'astrakhan. Ce sera la tenue Gobi qui sera portée par les membres de l'expédition. Et ce portrait réalisé par Alexandre Diakovlev deviendra l'emblème de la croisière jaune. Cette toile très connue d'Alexandre Diakovlev montre un feu de bivouac au Xinjiang et l'on reconnaît derrière les auto-chenilles les visages des mécaniciens qui portent tous la moustache, de Diakovlev à gauche avec sa barbe, de Georges-Marie Hart au centre et de Victor Point avec son bonnet rouge. Diakovlev écrit dans ses notes sur ses longues et intimes causeries au coin du feu, éclairées par les phares des voitures, dont il fallait ranimer les moteurs pour maintenir la température et qu'il ne jaillit pas, à la lueur vacillante des flammes d'un feu de broussailles et de bouses desséchées, se lit la lassitude sur les visages fatigués. C'est une des étapes les plus difficiles de la croisière jaune. Une fois passé la lamazerie de Pengling Mayo, les hommes de la croisière jaune sont invités par le prince Yi Suming à assister à la cérémonie solennelle du Panchen Nama. Diakovlev a évoqué dans ses dessins toute l'aristocratie mongole, gardienne des traditions de l'ancienne cour mandchoue, qui s'est rassemblée au cœur de la steppe pour solliciter la bénédiction du Bouddha vivant. En une nuit est dressée une cité de yourtes ornée de bannières et d'oriflammes aux couleurs des baronnies. La croisière jaune entre le 12 février 1932 à Pékin par la porte ouest et pénètre dans la cité interdite. Destination finale d'un périple de plus de 12 000 km. L'expédition scientifique et culturelle a réussi. En témoigne le film d'André Sauvage, les milliers de photos, les centaines de dessins et peintures d'Alexandre Diakovlev, comme les résultats scientifiques. La croisière jaune, si elle fascine toujours, a parfois été surnommée la croisière maudite. Est-ce la mort inattendue de son chef Georges-Marie Hart à Hong Kong en mars 1932, suivie quelques mois après du suicide par amour de Victor Point, l'archange qui se tire une balle de la tête? Pour moi, petite fille de Georges-Marie Hart, la croisière jaune témoigne d'une quête de l'absolu, d'un idéal, d'une sorte de marche à l'étoile, comme le disait le 21 décembre 1948 le père Teilhard de Chardin en célébrant le mariage de mes parents, Claude Hart et Christine Dresch. Dans son discours de mariage, il disait: pour tous ceux qui ont eu l'honneur d'y participer, ces croisières resteront toujours dans leurs souvenirs comme des sortes de marches à l'étoile. L'expédition Citroën Centre-Asie était au complet.
Arte et point. Le docteur Delâtre, Williams, et le géologue de la mission, le père Teilhard de Chardin. Maintenant qu'on s'est retrouvés, on se quitte plus. Tous présents, sauf celui dont le nom était dans toutes les pensées et à qui Hart eut l'idée d'envoyer un message vivant. Mon cher Citroën, vous êtes devant nous. Tout va bien chez vous? Chez nous aussi. Vous me regardez? Je suis en costume gobie. Car nous allons traverser un désert où l'hiver est le plus rigoureux du monde. Mais vous êtes si loin de nous, et ces images iront si lentement pour faire le tour de la Terre, que le moment est venu pour nous de vous adresser nos voeux pour 1932. À bientôt, mon cher Citroën.